choose your character. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10, l'épisode le plus abusé, je pense, de toute l'histoire de Star Wars. Je le rappelle, dans les derniers épisodes, nous sommes sur Rassux Prime, nous avons fait plein de trucs, défoncé plein de trucs, mais surtout, nous sommes battus contre Proxy qui essaie de nous tuer en se prenant le pavance de plusieurs Jedi que nous avons déjà affrontés, mais surtout de Dark Maul, avec un combat des plus stylés, un peu court parce que j'étais un petit peu trop cheaté, mais bon, c'est un peu pratique. Et cette fois-ci, comme je disais que nous sommes dans l'épisode le plus cheaté, c'est parce que nous allons devoir utiliser la force sur un destroyer impérial, mon gars. Oui, parce que voilà, Luke Skywalker a pu porter un X-Wing, voilà. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas de prendre, changer de costume et prendre directement le Luke Skywalker. C'est parti. Il va falloir déjà détruire les tailles qui nous tirent dessus. Et ensuite prendre de pleine main, enfin de pleine force, j'ai envie de vous dire, ce ce destroyer. Yes, déjà un détruit. Alors à savoir que ce niveau là. Hop là. Alors attends, est-ce que je peux le faire? Oh merde, je n'ai pas réussi à le faire. Bon, c'est pas, il est tombé. Yes, j'en ai eu un. Ce niveau-là même, en normal, j'avais fait. Eh ben, j'avais galéré. Bon, maintenant, je galère un peu moins. Alors, hardcore, je vous dis pas. Vous connaissez la chanson maintenant, hardcore, c'était beaucoup plus difficile. Mais en normal, j'avais ragé. Je vous dis, même en normal, j'avais ragé. Bon, là, je vais peut-être un peu moins rager parce que je connais un peu mieux. Comment il faut faire? Faut bien utiliser, voilà, faire comme les touches qui nous demandent. Voilà. Voilà. Et maintenant il faut attendre que ça. Allez. 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 Voilà. Voilà. Et on le pousse. Allez, on pousse très fort. Vas-y Luc, t'as pu le faire avec un X-Wing, tu peux le faire avec un putain de destroyer de 1 millier de tonnes. C'est tout à fait logique, et surtout qu'il y a des réacteurs derrière qui peuvent booster normalement, le remettre en arrière. Ah, faut le baisser au plus bas. Mais il y a les tailles qui arrivent sur nous. Du coup, on doit lâcher. Et on doit faire ça le plus vite avant que le destroyer ne se remette. Comme il fallait. Parce que là, le destroyer est en train de se remettre en position. Ce qui est super chiant, vous allez comprendre. En plus, pour attraper les TRTT. Les tailles, putain, pourquoi je veux dire TRTT, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu chaud. Ah merde, j'en ai loupé un. Putain, chien. On va essayer d'attraper cela. Ah bah j'ai réussi à avoir ça de loin, je sais même pas comment. Ah putain, mais j'arrive pas là. Ah d'accord, là ça va être la galère, j'enregistre. J'ai oublié que j'enregistrais. Ça va être chiant. Bon, je peux porter aussi des tailles. Bon, je m'en fous. Ah non, mais pourquoi il est parti aussi bas mon truc? Oh là là, et le destroyer qui est en train de remonter derrière. On perd. Oh, cette vidéo va durer des plombes. Alors attends, on va attendre bien. Voilà, là. Ouais, j'ai touché celui-là qui est derrière. Attends, il va arriver. Il va plus la réussir à le porter. Yes, je l'ai touché. Je l'ai eu. Voilà. Ouais, réduis-le en miettes, attends deux secondes, hein. Déjà, faut que je le remette bien comme il faut. Suivre bien les touches, hein, parce que c'est super chiant sinon. Allez, 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 c'est lent en plus, c'est pas possible, je déteste cette phase. Ils essayent de la faire, wow, regardez-moi ça, les apprentis comment il est fort, il peut pousser un destroyer et tout, il est contrôlé par la force. Oui, mais c'est super chiant en fait, hein. C'est compliqué, c'est super chiant, et en plus, on doit se dépêcher, on a un peu de temps. Parce que voilà, il a remonté. Et il y a les tailles que vous voyez au loin qui arrivent. Allez, 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 allez. Oh putain, les tailles arrivent. Je vais me faire défoncer. Alors je vais perdre un peu de vie. Je vais faire exprès de perdre un peu de vie. Pour gagner un peu de temps. En ras de corps. Il vous tire deux fois dessus, c'est mort. Deux ou trois fois dessus, c'est mort. Là, je peux résister un peu plus longtemps. Parce que je suis en mode facile. On va faire le descendre le plus longtemps possible. Voilà. Comme ça me fait gagner un peu de temps. Ouf.
Ouais, yes, je l'ai eu, faut que je fasse. Ah, j'ai pas réussi à le faire taper avec son pote. Ah, merde, alors j'ai pas réussi à le prendre par la force. Bah, ouais, la force ne fonctionne plus. D'accord, ok, j'ai bugué. Ça, c'est moi qui ai bugué, ça, c'est la force. J'ai touché. On se cache bien derrière les piliers. Ah putain, j'arrive plus à prendre personne avec la force. J'ai plus de visée. Allez, allez. Yes, j'en ai eu un. Oh, j'ai eu les deux. Oh, un deux. Ah non, j'ai eu un ou deux. Je sais pas. Je pensais en avoir deux, mais j'en ai eu qu'un apparemment. Ah, j'ai loupé. Mais quel nul Snake. Je l'ai eu. Ah, je l'ai pas eu. Attends, hop. Ah putain. C'est bon, là je l'ai eu. Voilà. Allez, allez. Voilà, on suit bien les touches, sinon on perd un temps fou. Si vous suivez pas les touches, qu'est-ce que c'est la galère. En plus, il faut le mettre comme ça. J'ai pas pour moi, j'aurais mis plus vers le bas, mais bon, faut mettre la pointe là, comme ça, voilà. Allez, on le pousse fort comme si on faisait caca. Voilà pourquoi c'est pas canon du tout, comme je vous le disais dans Star Wars. Parce que si ça, si tu peux faire ça avec un Destroyer, tu peux faire ça avec tout. Ça... Ah oui, enfin. Ah, je vous jure que je suis en sueur là. Ouh. Cette phase se veut impressionnante, mais qu'est-ce qu'elle est galère en gameplay. Surtout que t'as les tailles qui te tirent dessus en même temps, et du coup, faut gérer avec ça. Pour être détruit, il est détruit. Du calme, général, je suis là. Bien. Nous nous reverrons dans le vaisseau. Il est encore en vie, Proxy. Maître. Proxy. Tout va bien? Oui, je crois. Mais il serait peut-être plus raisonnable que vous me laissiez ici. Qu'est-ce que tu racontes? L'onde de choc. Elle a vraiment endommagé mon processeur. Mon programme principal a été effacé. Bon, comme par hasard. Je suis devenu inutile. Proxy. Non, tu peux faire quand le ménage. Je t'abandonnerai pas. Viens. Tu peux servir de sexbot, hein. On peut trouver. On t'inquiète, on va trouver des trucs à faire. T'inquiète. Tu pourras toujours me servir de punching ball, enfin de punching laser. Et nous avons réussi à défoncer un destroyer par le pouvoir de la force. Ah, et là après, il y en a qui se plaignent après que Rey, elle peut guérir n'importe quoi, n'importe quelle blessure. C'est pour ça que ça doit pas être canon ce jeu. Après ce que tu as fait sur Axis Prime, l'empereur est extrêmement contrarié. Les ennemis de l'empereur hésitent encore. Je commence juste à gagner leur confiance. Si on me surprend en train de vous parler, ou s'ils ont des soupçons sur mon passé. Tout ça n'aura servi à rien. Surtout, ne tarde pas à me recontacter. Tu lui fais confiance? Vador ne compromettra pas ma mission, même s'il se méfie. On est arrivé? On a atteint Corellia. Et ils sont tous là. Bail et ses alliés. La voilà ton alliance rebelle. Maintenant... Qu'est-ce que tu vas en faire? Fais-moi confiance. D'accord? Je ferai ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. Moi j'aurais dit plutôt que l'empereur aurait dû être... impressionné quand même. Hein, parce qu'on a défoncé un destroyer avec la force. Et de la politique est révolue, c'est vrai. Nous devons agir. Si tu prends le commandement...
nous rejoindrons l'Alliance. Je ferai de même. Ah, oh, il s'est fait tout beau qu'il est beau. Vous voyez évanoui dans la soute. J'ai repris connaissance. Alors c'est décidé. Ma fortune financera la rébellion. Garm nous fournira des vaisseaux et Mon Mothma des soldats. Et avec toi à notre tête, nous avons le pouvoir de la force de notre côté. Célébrons ce qu'il est convenu d'appeler une déclaration de rébellion. Aujourd'hui, nous faisons le serment de changer la galaxie. Pour qu'un jour, la galaxie soit enfin libre. Ouais, Macron destitution! Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est un peu grâce à Darth Vader et à l'apprenti qu'il y a eu la rébellion en fait. On découvre des choses. Hein. Mais c'est pas canon! Coupe la transmission! Bah, tu vois, il est pas inutile, il peut toujours servir de Skype. L'empereur tient à les exécuter personnellement. Je te félicite, mon apprenti. Je te félicite en te balançant un caillou à la gueule. Merci, c'est comme ça qu'on dit merci, je félicite. Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'empereur? Pas dans l'immédiat, non. Pas tout de suite en tout cas. J'attendrai que mon fils vienne essayer de me convaincre et d'essayer de faillir mourir devant moi. Et après, je me retourne. Sans pas. Moi, vous ne serez jamais libre. Il a pas tiré tout son programme, hein. Il a menti, hein, Proxy aussi. Oh, genre il meurt alors qu'on avait mis deux sabres dans la gueule quand il s'était mis en Dark Maul. Oh allez Proxy, fais pas semblant, on sait que t'es pas mort. Oh, c'est un comédien Proxy quand même. Genre il ment, il dit qu'il est inutile, il a plus ses programmes, il y a toujours le programme d'Obi-Wan Kenobi, il peut toujours faire un truc Skype. Ah ça c'est bien un droïde site hein. Que des mensonges. C'est terminé. Vador les a tous livrés. À l'empereur. Je ne comprends pas. Pourtant c'est bien Vador qui nous a permis d'attaquer des cibles impériales. Il avait tout calculé. Les crédits, les vaisseaux, les soldats de l'Empire. Peu importe les sacrifices. Vador avait besoin de moi pour trouver les ennemis de l'empereur coûte que coûte. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est entre tes mains. On va chercher Vador. Et les rebelles. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je médite. Les Jedi y arrivent parfois à entrevoir l'avenir. Tu as déjà fait ça? J'ignorais que j'étais un Jedi. Sith, oui, mais pas Jedi. Non. Non. Kota! Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Une station spatiale. Gigantesque. Ah, j'aime bien ce costume-là. Il est de il est pas sale. J'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai? Si je libère les rebelles, il faudra les évacuer. Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Oh, c'est mignon!
Adieu, Juno. Putain, la gravité est vraiment basse, il tombe au ralenti. Ou ça, c'est les effets de l'amour, ça s'est volé. Il fait son entrée en tout cas. On peut dire que quand un Jedi rentre, il fait toujours son entrée bien. Oh, il est censé être mort là, mais c'est pas grave. Wouhou! Bon, on va regarder ce costume là, il est plutôt pas mal. Oula, attendez, start. Oh, je peux pas faire start, il y a la sauvegarde. Alors, en mode hardcore, ici c'est impossible. Il faut que tu essayes de trouver un moyen de pouvoir aller au niveau suivant très très vite. Voilà, je vous dis tout de suite, ce niveau là est infaisable. J'ai jamais fini, j'ai même réussi. J'ai juste réussi en filoutant, en passant à travers la porte. Pour aller au niveau suivant. Alors juste attendez parce que bon, on va pas changer le costume, il est stylé, j'avoue, il est très très beau. En plus pour une fois il est pas sale, même si j'ai très envie d'être un autre costume, mais je résiste. On va prendre juste un nouveau, on va prendre le sabre laser bleu qu'il a pris, mais peut-être le laser bleu concentré. Ouais, un laser bleu simple, allez vas-y, on va prendre le laser bleu simple. On va garder son petit costume, son petit sabre laser, parce que là il est déterminé à sauver ses copains. Même s'il comprend pas qu'il est du côté, infâme depuis le début, mais bon ça... Il va se rendre compte que le côté infâme est toujours le meilleur. Regarde-moi ça, comment c'est stylé. Alors attendez, parce que là je suis en train de viser quoi? Je suis en train de viser rien. Hop, et hop là. Oh putain, il a... Oh, il y a un truc à popper, d'accord. Ah attendez, il y a un TRTT derrière. Ah non, c'est pas un TRTT, c'est un TRTC. Oula, ça a explosé. Oula, attention. Oh là là, regardez comment c'est le bordel déjà en mode normal. Alors en mode hardcore, je vous dis pas, il y a des trucs qui tirent dessus pendant que t'es en train de taper, t'es en train de faire des trucs, il fait d'autres choses, voilà. Voilà. What? Oh, j'ai traversé, j'ai tellement été puissant que j'ai traversé la station. Oh, c'est le... Alors j'ai jamais eu ce bug là. C'est la première. Oh putain, je suis tellement balèze que moi je traverse le sol, mon gars, putain. Oh putain, le bordel. Bon écoutez, excusez-moi, on recommence. Pouf pouf pouf. Mais là, et là, ça c'est pas un problème de... Là c'est pas moi, hein, c'est le jeu. Hein. Oh, ta gueule. Aïe putain. Attends, parce que là ça va être chiant. Hein. Oh là là. J'ai très envie... En fait j'ai très très envie de passer ce niveau, même si je suis en mode normal, parce que c'est tellement la galère et le bordel. Allez, crève. Déjà, je vais m'occuper de lui, là. Ah, putain. Regardez-moi cette vie perdue. Alors que je suis un admiré. On va peut-être se mettre un petit bouclier et d'éclair. Ouais. Voilà, on va mettre un petit bouclier d'éclair. Pour, voilà. Oh putain, comment il a volé lui. Allez, reste au sol, voilà. Home run. Oula. Alors, je sais pas ce qu'il m'a touché là, mais bon. Putain, pendant que les jets sans trooper là. Oh merde. J'avais pas vu qu'il y avait le j'ai appuyé sur carré par un instinct et j'ai pas vu qu'il y avait le QTE. Voilà, on se débarrasse des gros d'abord et hop là. Voilà, en plus on a eu deux fatalities différentes. Oh putain. Ah, je t'ai eu. Oh putain, en plus il est même pas mort. Oh là 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 là. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Je sais qu'on est vers la fin du jeu, mais là quand même, c'est un petit peu abusé quand même, non? Oh là 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 là, putain. Home run! En plus, je peux même pas le faire tomber dehors. Putain. Allez, putain. Oh là là, attendez, on va s'occuper. Oh là, attendez, hop là. En plus, je suis obligé de les tuer parce que sinon, ils vont être casse-couilles. J'ai récupéré la santé. Il y a même pas un truc d'invulnérabilité hein, pour vous dire tellement c'est dégueulasse. Eh, alors le. Ah, merci, l'ascenseur qui voulait pas fonctionner. Wouah, je me suis pris un truc de je sais même pas où. Attendez, parce qu'il y a des snipers. Ils me cassent les couilles là-haut. On va aller chercher. Voilà, toi. Ta gueule. Oh, wow, qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce qui m'a tiré dessus?
Je sais même, on voit même pas ce qui nous tire dessus quoi. Homebrew. Ah là là. Putain mais non. Oh non, il m'a fait tomber. Mais putain, mais regardez-moi comment ce jeu est dégueulasse. Oh putain. Oh là là, oh là là. Mais putain, j'ai eu deux tirs en même temps. Mais vous me cassez les couilles. Vous me cassez tous les... Oh putain, je peux même pas faire mes attaques tellement je suis... mais non, oh là, oh là, quoi, ok. Merci pour ce point de vue qui est sans doute assez plat. Voilà, là déjà, lui ça, allez hop. Putain, mais c'est même pas lui que je veux viser, c'est surtout les putains de destroyers. De pas destroyers. Ah, de nettoyeurs impériaux. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Oh là là là, j'ai même pas le... Mais regardez-moi ça, je peux, j'ai pas le temps de me relever, d'attaquer. Et je suis en mode normal, bordel de merde. Désolé, je rage un peu, mais je vous jure que ce niveau-là est horriblement frustrant. Et heureusement que je suis en normal. Putain, parce que là, je serais déjà mort 30 000 fois. Oh putain. Mais oui, vas-y, fais-moi ta prise. Allez, dégage. Mais. Voilà. Meurs. Ouais, ça a touché l'autre, mais ça n'a pas explosé. Voilà. Putain. Oh. Bon, il est mort. Il est mort de la, il est en tombant de la, en se foulant la cheville. Voilà. Phew. Oh, je suis en sueur. Bon, voilà. Alors, en hardcore, je vous explique, faut que vous passiez par là. Ça veut dire que vous essayez de trouver un endroit assez safe vite fait en fait. Donc vous vous dépêchez d'esquiver les snipers, esquiver les missiles, ouvrir ça très très vite et passer tout ça. Ce jeu est infaisable en hardcore déjà qu'il est galère en normal là pour ce niveau. J'ai galéré tellement. Je suis à l'intérieur. Sois prudent. Le faisceau tire à intervalles réguliers. Tâche de ne pas être là quand ça se produira. Et un truc super que je trouve par contre super bien dans ce jeu, c'est qu'il nous montre comment pour la première fois, enfin il me semble que c'est pour la première fois, il explique dans d'autres films Star Wars, je ne m'en souviens pas, comment utilise l'étoile de l'étoile de la mort, elle fait ses vaisseaux, elle explose, voilà, elle fait son vaisseau, son rayon. Oh là là, j'ai du mal à le dire, hein. Le niveau de tout à l'heure m'a épuisé mentalement et physiquement. Au nom de l'Empire, je t'arrête. Alors vite avant qu'il retire, parce qu'il va retirer et je sais... What? Ah d'accord. Ah putain, en plus je peux même pas me protéger. Ça y est, ça va tirer, il va tirer, attendez, il va tirer. Voilà, comme ça il détruit tous les alentours, à part les tourelles bien sûr qui sont Putain, il y a... Ah mais il y a lui là. Hop, dans le vaisseau, bah voilà, dans le rayon. Non mais arrête de viser la tourelle morte. Merci quand même. Voilà, en tout cas voilà. Les gens ils se sont mis dans le rayon, les cons. Oh, il explose pas, dommage. Home run, ça l'a pas tué. Hop là. Allez hop. Ah, il va tirer. Salut monsieur. Au revoir Jean-Michel. Merci d'être passé. Heureusement qu'il écoute pas le mec à la radio qui lui dit qu'on va bientôt tirer. Ah putain Jean-Michel, il est marrant. En tout cas, j'avoue que le costume de l'apprenti pour la fin est très 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 stylé. Hop. Hop là, voilà comment on pète. Ils renforcent toute leur position pour t'empêcher d'entrer. Voilà, on pète les cristaux. Mon main à gauche. Attendez, je sais plus où aller. Oula. Oula, le petit freeze. Oula, putain. J'ai fait friser le jeu. Alors attendez, parce que je sais plus de quel côté il faut aller. Il y a une tourelle toute seule là. Ah oui, il y avait sûrement un holocron là-dedans. Ah, je vous avoue que je vais souvent me perdre ici parce que je fais que de me perdre.
Voilà, il est mort, il est con. Ouh, attends, on va juste détruire ça. Voilà, je voulais juste détruire ça parce que voilà. Oh bah tiens, il y a un petit truc là. Oh, dommage accru. Ah, il y a une putain de... Attendez. Ah, là, c'est fini. Oh là. Attends, est-ce que vrai que je détruis ces putains de tourelles? Voilà. Voilà, attention, ça va m'être retiré. Home run. Oh là, oh putain, il a explosé tout seul le truc. Oh, bam. Oh oui. Putain, des fois j'arrive à faire mes combos, mais putain, mais les mecs, il vous reste 2 PV quoi. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Oh merde. Mais c'est... Ah d'accord, il y avait une tourelle derrière. Oh putain. Ah non, je croyais que c'était un nettoyeur impérial. Ah, il me semble qu'il y avait des nettoyeurs impériaux ici. Bah, ils sont pas là encore. Ah, ils sont là. Il faut. Ils sont après cette porte, je crois. Je suis tellement traumatisé par eux que je sais où ils sont. Genre, c'était censé être un Jedi et avoir presque peur de rien. Enfin, il est pas non plus invulnérable, un Jedi. Quand même, bon, voilà. J'ai peur des putains nettoyeurs impériaux ou des putains stormtroopers blindés qui tirent des roquettes de merde. Par contre, alors. Ce chargement te coupe tout, quoi. Il y a vraiment un côté négatif là dans le jeu, bah, c'est ce chargement là qui sert juste à rien. Parce qu'à mon avis, ils sont en train. Parce que comme c'est un grand grand environnement, on est quand même sur la putain d'étoile noire. L'étoile de la mort, pardon. Et du coup, bah. Étoile noire, étoile noire. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de trucs à charger et. Ils sont obligés de couper comme ça quoi. One eternity later. Voilà! Bah, après un chargement et une sauvegarde. Hop. Bah, on peut même plus retourner en arrière. C'est pour vous dire pour échanger. Eh bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je casse tout quand on sera. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner aussi à la chaîne si c'est gratos. C'est gratos. Si on, à partager la vidéo. Mettre un commentaire si vous voulez mettre des commentaires. Y'a pas de soucis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé en hardcore. Hein, que, et si vous, comme moi, quand vous voyez ce niveau, vous grincez des dents. on se retrouve pour le prochain épisode sur Star Wars, le pouvoir de la force, Ultimate Edition. Salut tout le monde et portez-vous bien.